Super, on commence avec vous, Mélanie. Et grâce à vous, ce matin, on va parler d'une vente aux enchères où l'on redécouvre l'œuvre d'un grand artiste du XXe siècle. Si je vous dis Paul Jouve, peut-être que les gens ne connaissent pas forcément son nom, mais son œuvre. Et pourtant, Damien, mondialement connue. Mais bien sûr, puisque c'est l'illustrateur du livre de la jungle. Alors, je ne vous parle pas, bien sûr, du petit livre qu'on a eu tous entre les mains pour l'histoire du soir. Non, je vous parle de l'œuvre originale de Kipling, qui était illustrée par Paul Jouve, et dans laquelle on se rend compte à quel point il était un virtuose de la peinture animalière du XXe. Alors, brièvement, deux mots, son parcours. Damien, il est assez intéressant, son parcours artistique, parce que c'est un artiste qui est extrêmement précoce. À 16 ans, il expose pour la première fois au Salon des artistes français, un salon important à l'époque, et à 22 ans, il va participer à l'exposition universelle de 1900, où là, il va faire un carton, il va participer ensuite à toutes les suivantes, et il va à chaque fois décrocher la médaille d'or. Donc, Paul Jouve, c'est finalement un artiste qui, très vite, va devenir célèbre, très jeune, très vite, et qui va vraiment avoir un succès assez phénoménal, et le succès, à partir de là, ne va plus jamais le quitter. Ouais. Alors, pourquoi ce succès fulgurant? Sans doute grâce à son style, hein, parce que son style, regardez cette façon qu'il a, très minimaliste et très stylisé de reproduire l'animal. Voilà, regardez quand il fait ça. Voilà, il va en fait à l'essentiel quand il représente les animaux. Et ça, ce style-là, dans les années 1920-1930, c'est l'art déco. Oui. Donc il est en parfaite adéquation avec cette période de l'art déco. Et tous les grands collectionneurs de l'époque vont lui acheter ses œuvres. Et tout le Gotha européen aussi va lui acheter ses œuvres à des prix assez chers. Hein, parce qu'à l'époque, déjà, ses œuvres, elles coûtent cher. Alors vous allez voir, quelques-unes de ses œuvres sont mises aux enchères par la maison de vente Ivoire à Reims le 30 juin prochain. Et nous avons rencontré l'expert Emmanuel Hérault. Regardez. Paul Jouve réalise des portraits d'animaux, que ce soit les buffles macédoniens, l'aigle, la panthère, les tigres vus de profil. En réalité, il les portraiture comme il pourrait portraiturer une personnalité du spectacle, de la politique. Et on ne retrouve ça que chez très très peu de peintres animaliers en général. Paul Jouve, parallèlement à son œuvre de sculpteur, son œuvre de peintre, est aussi un illustrateur éminent de livres d'art. Le plus fameux est le livre de la jungle. Et ce livre, évidemment, révèle tout l'art de Paul Jouve, sa façon d'observer les fauves, mais pas que les fauves, et aussi de les croquer et de les rendre. Et ce livre connaît un succès phénoménal, et ça va aussi contribuer à sa très grande notoriété. Cette panthère a quelque chose de très particulier dans la peinture animalière. Il la croque déjà en se mettant relativement bas. Cette prise de vue est assez inhabituelle chez un peintre animalier. Ensuite, il a un cadre très serré, c'est-à-dire qu'on n'a quasiment aucun contour. Et puis, cette panthère, elle est immobile certes, mais elle n'est pas statique. On ressent en même temps la puissance de l'animal, mais aussi cette beauté féline. Et ça, c'est aussi ce qui est issu de son savoir sculpter. Il y a une facette extrêmement méconnue de Paul Jouve. C'est également un sculpteur et un immense sculpteur. Ses tableaux prennent pratiquement l'apparence d'une œuvre en trois dimensions. Et il ne le rend pas par le mouvement, il le rend par des contours, par l'utilisation des couleurs et des aplats. Il ne représente que très rarement l'animal en mouvement. Et même les buffles macédoniens, ben vous voyez, ces buffles, ils nous regardent. Et ils nous scrutent en même temps que nous, on les admire et on les scrute. Il y a une complicité entre l'artiste, l'animal et le spectateur. Je vais vous dire merci, c'est Mélanie, beau, parce que hein, je ne connaissais pas, je découvre et j'adore. Ouais. Les sources d'inspiration de Paul Jouve, c'était quoi? Il voyageait beaucoup, il allait dans tous les zoos européens, il allait dans l'Europe entière, il allait en Afrique, en Asie, et tout ça grâce à un galeriste de renom de l'époque, Samuel Bing, qui vraiment, lui, c'est lui qui lui a donné tous ses moyens de voyager, parce qu'il l'a vraiment pris sous son aile, il l'a exposé, il l'a fait découvrir à des collectionneurs, c'est vraiment lui qui l'a aidé un petit peu à percer, et grâce à ce galeriste, il a pu voyager, parce
parce que lui, ce qu'il voulait, c'était être au contact des animaux. Donc voilà, la vente aux enchères a lieu le 30 juin prochain. C'est à la maison de vente Ivoire à Reims. Et en attendant, vous pouvez aller visiter l'expo parce qu'il y a une expo à Paris juste avant la vente chez Emmanuel Hérault, l'expert que l'on a vu dans le sujet. Et ça, c'est du 17 au 25 juin. Donc là, vous n'avez plus aucune raison. Ah non, aucune excuse. Voilà, plus aucune excuse. Voilà.